Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 13h, le sommet. La 13e édition du festival Wemehwe 2022 s'est déroulée ce week-end dans la commune de Dangbo, précisément dans l'arrondissement de Zungé. Vous aurez les temps forts de cette célébration en début d'édition. Et à l'occasion de la commémoration du souvenir des martyrs tombés les armes à la main ce 16 janvier 2022, c'est une place du souvenir complètement rénovée. Vous suivrez les impressions de quelques autorités militaires à cet effet. Et puis vous suivrez en fin d'édition le compte-rendu des différents plateaux de l'émission Dimanche c'est politique. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Les festivités entrant dans le cadre de la 13e édition du festival Wemehwe 2022 se sont déroulées ce week-end. Et c'est l'arrondissement de Zungé dans la commune de Dangbo qui a servi de cadre aux manifestations officielles de cette célébration. Cette édition-ci a connu la présence de plusieurs autorités administratives. Reportage. C'est une 13e édition de Wemehwe 2022 qui se déroule dans le strict respect des gestes barrières. Ici à Zungé, dans la commune de Dangbo, plusieurs autorités ministérielles ont rehaussé de leur présence l'éclat de cette fête. Dans son homélie à l'occasion de la messe station de grâce, l'évêque de Porto-Novo, Mgr Aristide Gonzalo, est revenu sur quelques valeurs fondamentales qui doivent caractériser chaque être humain. Vous êtes donc invités à prendre soin du frère universel, de ceux et celles qui sont dans l'indigence, de ceux et celles qui souffrent de la solitude, pour manifester ainsi la gloire de Dieu. Certes, vous visez la vallée de l'Ouémé et tout le pays Ouémé, mais au-delà, c'est l'homme, quel qu'il soit, qu'il faut mettre debout. En effet, les efforts auxquels vous consentez sont appelés à avoir des répercussions et des effets au-delà des seules limites des communes de la vallée de l'Ouémé. D'ailleurs, toute forme de solidarité sociale est destinée en principe au développement intégral de l'homme. Ce sont des retrouvailles qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas. Wemehwe reste et demeure un label qui se bonifie avec le temps au regard des nombreuses réalisations physiques déjà à son actif, dira le coordonnateur général de ce festival. Au-delà de celle-ci, elle fait également révéler à chacune de ses éditions la richesse culturelle de Wemehwe, notre héritage mémorial. Merci au gouvernement de notre pays pour tout son accompagnement. Pour cette 13e édition, nos efforts communs ont contribué à la réalisation de plusieurs activités, dont notamment la construction d'un module de 3 salles de classe plus bureau et magasin au CG1 de Dangbo. En satisfaction partielle à un grand besoin d'infrastructures pédagogiques pour résoudre le problème d'une douzaine de classes volantes dans cet établissement, et ce, sans compter les nombreux soucis liés à une dizaine de salles de classe qui sont à ce jour dans un état de délabrement très avancé. D'autres actions allant dans le sens du développement local ont été également entreprises. Les invités présents à cette manifestation n'ont pas caché leur satisfaction pour la réussite de cette édition. Nous sommes venus pour soutenir entièrement ce peuple-là qui devrait une voie pour son développement. Vous avez vu que c'est déjà un grand succès et nous sommes fiers de ce qui se fait ici. Je remercie au passage le président d'organisation, M. Antoine Bonou, et toute l'équipe qui ont participé à la réalisation, à la bonne marche de cette fête. Que Dieu nous prête vie pour que l'année prochaine, on se retrouve. Les impressions, elles sont bonnes. Nous venons d'assister à une bonne célébration eucharistique dans le cadre des fêtes dédiées à Wemehwe. Le rendez-vous est donc pris pour l'année 2023 pour la 14e édition avec d'autres innovations. À l'instar de Dangbo, lieu retenu pour les manifestations officielles de Wemehwe, Cotonou a aussi vibré aux diverses animations culturelles. Le point avec Mathieu Boko et Edouard Kako. Cotonou à la ferveur du festival Wemehwe édition 2022. Nous sommes ici à la plage de Fidjirossé, en famille ou entre amis, les filles et fils de l'air culturel Wemehwe qui n'ont pas pu effectuer le déplacement sur Dangbo célèbre à leur manière. La 13e édition. Je suis venu m'amuser avec les amis.
parce que je ne peux pas aller sur le site. Je suis à Calavi et j'ai les cours qui sont là, donc je ne peux pas aller là-bas. C'est pas sur le site seul, il y a la fête. La fête est partout, dans nos cœurs, partout. C'est pas une grande surprise. C'est parce que cette année, on n'a pas voulu y aller. On a préféré venir à la plage se rejoindre avec la famille. Bon, sinon, c'est pas d'une très grande ambigu. Il y a aussi le déplacement qui cause problème. Donc, on a préféré venir à la plage, comme c'est pas trop loin, pour venir se rejouir. C'est une grande réjouissance. C'est pas parce que nous, on n'a pas pu y aller aujourd'hui. On n'a pas eu l'occasion d'être à la 13e audition que nous allons décroyer tout le monde. Non, pour les fois à venir, nous-mêmes, nos pieds seront présents là-bas. Oui, mais oui, un festival initié depuis 2010. Il est célébré chaque année, moment de retrouvailles des ressortissants de la vallée de l'Ouémé. On peut faire mieux, comme le Novicha. Ils sont déjà à plus de 100 ans. Mais je pense qu'avec la réussite et la bonne entente, que ce soit d'Agégué, de Dangbo, d'Adjon, de Bon, nous sommes tous les mêmes, nous parlons tous la même langue. Donc, réunissons-nous derrière cette fête. Pour que ce soit ça une bonne fête. C'est aussi l'occasion de mettre en valeur leurs origines à travers ces arts et cultures. Loin de Dangbo, Cotonou a aussi vibré aux diverses manifestations culturelles du Festival Ouémé, occasion une fois encore de voir la manifestation de la solidarité des Ouéménou. Autre volet de l'actualité, à l'occasion de la cérémonie de dépôt de GEB ce dimanche 16 janvier 2022, à la place des Matis qui a fait peau neuve, les autorités militaires en fonction comme à la retraite se sont prononcées sur l'état du nouveau visage que présente ce site. On écoute respectivement un extrait des propos du contre-amiral Jean-Baptiste Aro, chef d'état-major et général des forces armées béninoises, et le général Maman Sika. Nous sommes dans une nouvelle dimension de gloire, de courage et de victoire. La victoire, elle est déjà là, car ce monument rénové, ça signifie que tout notre esprit, notre corps, le matériel, notre tactique, notre manière d'opérer a été rénové. Et quelle que soit la stratégie de l'ennemi, il n'y aura pas une pénétration au niveau du territoire béninois. Moi, quand je suis arrivé, j'ai été heureux de voir la place réfectionnée et bien réfectionnée. Parce que pour nous, militaires, c'est honneur et patrie. Et en venant ici, on fait honneur à ces jeunes-là. On fait honneur à ceux qui ont donné leur vie pour la patrie. Les différents plateaux de votre émission « Dimanche, c'est politique » de ce 16 janvier 2022. La cherté de la vie au Bénin qui contraste avec l'augmentation de salaire que le gouvernement a annoncé selon l'un des invités de Théodule Roussa sur l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 16 janvier 2022 a été évoqué sur le plateau. Le gouvernement a commencé son travail, il est en train de faire le travail, on va attendre. Mais ce que je dénonce, c'est qu'on ne peut pas annoncer l'augmentation des salaires et dans la foulée encore, commencer par augmenter les taxes sur tout et tout aujourd'hui. D'une façon ou d'une autre, nous allons continuer à observer ce qui se fait. La seule chose aujourd'hui qu'on n'a pas pu tasser, c'est peut-être l'air que nous respirons aujourd'hui. Tout ce que moi j'ai à dire ici sur ce plateau par rapport à la cherté de la vie, c'est de réellement passer à cette augmentation du SMIG, de faire en sorte à ce que nous puissions réévaluer un peu l'indice de développement humain des Béninois et que chacun puisse te dire 2 ans après, oui, le chef de l'État a réellement progressé et qu'on puisse lui dire merci pour tout ce qu'il aurait fait. Le même sujet qui fait couler assez d'encre et de salive a été également évoqué sur le duel. S'agissant de ce volet, les avis divergent selon l'approche des débatteurs. Qu'on revalorise les salaires, qu'on ne revalorise pas les salaires, les tas sont là. C'est une amalgame complètement inutile et infondée. D'accord. Au fait, ce n'est pas une récrimination, il y a augmentation des tas. Je ne vais pas parler d'augmentation, mais certaines tas ont été réduites et rééquilibrées. L'impôt sur le loyer a été revu, mais ce n'est en réalité pas revu, ça existait. C'est parce que cela ne s'appliquait pas. Nous avons des droits,
Nous devons avoir des obligations, nous devons reconnaître que nous devons également avoir des obligations et nous devons faire face à ces obligations-là. Mais en réalité, aucune tasse n'est au-dessus du citoyen béninois. Des gens percevaient des millions de loyers par an, mais ils ne payaient que 7 000. Aujourd'hui, les réformes ont dit, oui, vous avez un bâtiment, vous avez des locataires dedans, vous avez un bâtiment fini, vous avez des locataires dedans, vous payez l'impôt conséquemment à ce que vous gagnez. C'est un souci, ça. Nous devons nous y mettre. Je reconnais également qu'on nous dira que ça va agir sur le panier de la ménagère et tout, et tout. Et c'est possible. Mais c'est qu'il faut également reconnaître que la ménagère aussi bénéficiait des avantages qui n'étaient pas la sienne à un certain moment. Et qu'il faut qu'en réalité, nous nous habituions à ce à quoi nous avons droit. La question du programme d'action du gouvernement du deuxième quinquennat avec deux volets essentiels. L'investissement et les réformes est revenu en débat sur l'hebdo des éditorialistes. Landry Khueton, épaté par les actions du gouvernement, salue les œuvres. Les invités se sont opinés sur le 10 janvier, célébration du Vaudon. Je voudrais inviter le gouvernement à travers son ministre de la Culture à valoriser nos cultures à partir de chez nous. Avec seulement le Vaudon au Bénin, nous pouvons être riches, immensément riches. C'est aussi l'occasion de demander au Conseil national des rois et dignitaires de pouvoir réorganiser les cours parce qu'il faut le reconnaître, il y a trop d'imbroglio au sein de ce conseil, au sein de ces royautés. On peut reprocher tout aux militaires aujourd'hui. Mais il faudrait qu'on respecte les constitutions. Sur l'entretien, le sujet relatif à la sanction infligée aux Maliens par la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest a fait objet de débats. Réunis à Accra ce dimanche 9 janvier, les dirigeants ouest-africains ont décidé de placer le Mali sous embargo pour sanctionner le maintien de la junte au pouvoir. Au Mali, aujourd'hui, ce qu'il faut, ce n'est pas forcément une transition, mais c'est une refondation. D'après les observations et d'après même les conclusions de ces assises nationales. Et donc, lorsque vous regardez l'ampleur de la tâche accomplie, ce n'est pas en 6 mois qu'on va récupérer l'effectivité territoriale. L'appréciation varie en fonction de l'angle d'observation. Sur un plan institutionnel, on ne peut pas lui faire de procès, mais sur un plan social, sur un plan ambitieux, sur un plan de la vision de la CEDEAO, on peut se permettre de lui faire ce procès-là parce que le peuple ouest-africain semble ne pas du tout être dans sa logique qui semble punir beaucoup plus le peuple malien que les institutions de leadership du Mali. Il faut apprécier la durée de la transition par rapport à la tâche à accomplir. Une situation assez compliquée selon l'analyste géopolitique qui dit ses souhaits. La crise au Mali n'est pas une crise du peuple malien. Tout ce qui va dans le sens contraire du bien-être et de l'intérêt du peuple n'est pas une chose à encourager et on a l'impression que ces sanctions ne vont pas forcément dans l'intérêt du peuple malien et donc elles doivent être remises en cause et une solution plus propice doit être trouvée. Ce que nous allons souhaiter, c'est que le génie ouest-africain prenne le dessus, ces chefs d'État dans leur génie puissent trouver une entente et amener la communauté à grandir et le processus d'intégration à s'améliorer. Il invite aussi bien les leaders au Mali que la communauté internationale a beaucoup plus de retenue et à se lever au-delà des velléités de leadership et de frustration, mais de maintenir l'intérêt du peuple. 2022, une année préélectorale au Bénin. Des préparatifs au sein des partis politiques. Sur le plateau de Gilles-Christ Tchidi, l'ampleur des enjeux de 2023 a été évoquée. Les conditions sont fixées, sont pareilles pour tout le monde. Vous remplissez les conditions, vous allez au charbon. Vous êtes capable de lever des sièges, vous les levez. Vous ne remplissez pas les conditions, vous allez souffrir de ne pas pouvoir participer parce que vous ne répondez pas aux exigences du législateur en matière d'élection. Il y a d'autres qui ont le gâteau tout prêt, peut-être, ils ont toutes les conditions et ont tout le soutien pour y aller. Mais nous nous préparons activement. L'objectif, en réalité, c'est qu'on aille effectivement au renouvellement de la classe politique. Mais renouvellement de la classe politique ne veut pas dire révolution. Non, il faut aller à l'école. Il faut quand même une transition. Les actions du gouvernement de Patrice Talon restent salutaires. Selon les invités des différents plateaux de dimanche, c'est politique. Rendu et signé Diane Christelle au New Jersey, dernier élément pour clore cette édition, le déclic
Le décryptage de ce dimanche 16 janvier 2022 est porté essentiellement sur le rappel historique de l'agression du 16 janvier 1977 et le rapport qui existe entre la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et les professionnels des médias. Suivez. Le 16 janvier 1977, les militaires sont tombés sur le champ d'honneur en défendant avec bravoure la patrie et ceci suite à l'agression d'un groupe de mercenaires dirigé par le spécialiste des coups d'État en Afrique, Bob Denard. Mais au-delà de la cérémonie des dépôts de gerbes symboliques qui se font chaque année à la place des martyrs, tous les 16 janvier, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican se désole de la façon dont nos héros étaient célébrés jusqu'à un passé récent. Il salue d'ailleurs l'effort du régime actuel sur ses actions dans la perpétuation de certains pans de l'histoire de notre pays. La Conférence nationale a manqué d'inspiration, très émotive, parce qu'ils ont appliqué au régime leurs sentiments personnels en oubliant que des militaires sont tombés au champ de bataille, en voulant défendre la patrie. Et ça, on n'a pas regardé ce qui s'est passé. C'était un régime démocratiquement en place à l'époque. À la Conférence nationale, on a dit non, journée du souvenir. On a même débaptisé la place. C'est heureux que le gouvernement ait fait ce travail historique. Donc, cette place, au-delà du 16 janvier 77, c'est la place des militaires tombés sur le champ d'honneur. C'est la place des martyrs. C'est tous ceux qui, en défendant la patrie, sont tombés. Et ne pas célébrer le 16 janvier est une faute nationale. Moi, je crois que la Conférence nationale a commis une grosse bêtise, une faute. Et pour que ces failles soient corrigées, le consultant politique préconise. Je pense que le régime qui est là n'a subi aucune pression pour faire ce qu'il fait. Donc, j'ose croire qu'on ira de réhabilitation en réhabilitation, oui, pour que peut-être d'ici la fin du mandat du président Talon, qu'on essaye par exemple de réhabiliter l'État béninois dans toutes ses phases historiques et que ce qui doit être honoré soit honoré. Le 16 janvier 77 mérite d'être remarqué. Parce que c'est un pan de l'histoire du Bénin. Chacun peut raconter ce qu'il a envie de raconter, mais lorsqu'on recoupe ces choses, on peut tomber sur l'histoire. L'autre sujet abordé également sur les décryptages, c'est celui relatif au rapport entre la presse au Bénin et la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. À l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux aux professionnels des médias par l'institution, la présidente de l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, Zakiat Latondji, a évoqué des cas d'interpellation et de privation de liberté de certains confrères sur la base des dispositions du code numérique. À la lecture du consultant politique, il importe de réorganiser autrement la corporation. À mon avis, il faut repositionner la profession elle-même. Aujourd'hui, elle est où? Elle est exercée par qui? La carte de presse qui l'a encore valide? Alors qu'une décision de la HAC et le code de l'information actuellement en vigueur en font un élément de qualification professionnelle. Aujourd'hui, combien l'ont encore? Et pourquoi? Et aujourd'hui, quelle est la sphère de la profession? Je pense qu'il y a un certain nombre de choses que nous devons essayer d'affronter à l'interne pour repositionner, et la question même du financement. Ce n'est pas l'État qui doit financer, c'est d'abord les entreprises de presse qui doivent se positionner. Il y a assez de choses. On appelle des fêtières. Comment elles fonctionnent? Sur la base de quel financement? Comment elles se mettent en place? Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez également nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etélébénin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous.